je descends encore? Non, je vole. À quelques kilomètres de Reims, cet hélicoptère survole la Champagne, l'une des plus célèbres régions viticoles de France. Dominant la plaine, les vignes sont plantées sur les versants d'un petit relief, appelé ici la montagne de Reims. Alors on est parti pour un grand tour finalement autour de la montagne de Reims. Voilà, avec le parcellaire champenois qui est assez impressionnant, c'est-à-dire toutes ces vignes peignées dans des sens différents, avec des parcelles parfois vraiment toutes petites. Il y a énormément de graphisme, c'est ce que je recherche dans mes images. Michel est photographe, c'est un habitué des prises de vue aériennes. Pour Aurélie, en revanche, c'est un baptême en hélicoptère. L'historienne découvre sa région vue du ciel. Pour un premier vol, c'est un peu impressionnant. Mais ce qui est magique, c'est qu'on voit vraiment ici la transition qu'on va avoir entre notre paysage agricole. Et là, on arrive vers nos coteaux viticoles qui sont à côté de la vallée de la Marne. Aurélie et Michel se sont mobilisés en 2015 pour que ce territoire soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, ils s'engagent pour obtenir le label Pays d'art et d'histoire. Pour cela, ils photographient les monuments emblématiques de l'épopée du Champagne. Voilà, devant nous, on arrive sur Ovillers. Ovillers est vraiment considéré comme le berceau du Champagne. C'est un haut lieu de la Champagne et du Champagne, notamment avec son abbaye. La richesse des bâtiments atteste de sa puissance au Moyen-Âge. En 1668, le célèbre moine Dom Pérignon devient l'intendant de l'abbaye. Ici, pendant près de 50 ans, il s'investit dans l'élaboration et la renommée du champagne qu'il qualifiait de meilleur vin du monde. Là, on va repartir en direction du château de Bourceau et on va suivre un petit peu la Marne. On a en contrebas donc la Marne. Et la Marne, dans l'histoire du champagne, a été très utile car avant les grandes voies de communication, on pouvait transporter le champagne sur la Marne. C'est tout un enchevêtrement entre la Marne, le canal, les bras morts de la Marne. Elle se faufile vraiment dans la vallée, c'est assez majestueux. L'hélicoptère arrive devant le château de Bourceau. Construit par la veuve Clicquot pour sa fille en 1842, il révèle la richesse de celle que l'on surnommait la reine de Reims. Ici, on est face à un château qui est absolument magnifique, avec des façades décorées. À cette époque, à la moitié du 19e siècle, on était en plein mouvement romantique. Et le romantisme a puisé son inspiration dans tout ce qui est renaissance et médiévale. Et donc là, on copie effectivement les châteaux. Et il est vraiment digne des plus beaux châteaux renaissance de la Loire. On a cet exemple ici sous nos yeux, qui est vraiment la preuve que les négociants en vin de Champagne veulent à chaque fois inscrire leur réussite dans la pierre. L'hélicoptère survole maintenant Épernay. La ville s'est développée avec l'essor du vignoble. Au centre de la cité, cette avenue est entièrement dédiée à l'élaboration et au commerce du champagne. L'avenue de Champagne, c'est la plus célèbre avenue du monde pour le champagne. Parce qu'ici, en fait, sont venus s'implanter des négociants qui vont petit à petit coloniser, si je puis dire, l'avenue. On voit très
très très bien cette avenue rectiligne qui fait moins de 2 km sur laquelle se succèdent des hôtels particuliers, des châteaux. Et en prenant un peu de hauteur, on se rend bien compte que derrière chaque hôtel particulier, on a un très grand jardin. Cette architecture dit entre cour et jardin. 35 maisons de champagne sont installées ici. Au bout de l'avenue, apparaît l'emblème d'Épernay, la tour de Castellane, construite en 1904. Comme toutes les maisons de Champagne, il faut être vu. Et donc l'idée d'avoir une tour qui est vue depuis l'avenue de Champagne, c'est vraiment l'idéal. Du haut de ses 66 mètres, la tour domine toute la ville. Ce soin apporté à l'architecture, ça c'est vraiment propre à l'avenue de Champagne. Ou même si on est sur des sites industriels, on a ce souci du détail, ce souci de la décoration, car on est dans une maison de prestige qui est aussi les lieux en fait, de publicité de la marque. Aurélie et Michel poursuivent leur mission à l'intérieur de la maison de Castellane. Ils s'intéressent aux lieux créés spécialement pour les clients fortunés de la marque. On arrive en fait sur l'escalier d'honneur de la maison Castellane. C'était les clients les plus prestigieux qui arrivaient et qui avaient cette entrée un peu théâtralisée pour passer leur commande de champagne. Donc on voit cette toile marouflée avec la figure de l'amour qui offre du champagne. Alors ici, nous sommes dans un lieu qui est vraiment exceptionnel, qui est unique en Champagne. C'est la salle des étiquettes. Eh oui. Et la maison de Castellane, en fait, avait cette particularité, c'est de fabriquer des étiquettes spécialement pour leurs clients. Et il y a des meubles qui ont été conçus donc, dans les années 30. Donc des armoires en chêne, à double volet. Hop, on voit ici les petits compartiments. Ici, par exemple, on a une étiquette. Donc, qui a été faite pour le duc de Larnière. 7000 étiquettes différentes ont été réalisées au nom des clients les plus riches. Elles sont classées dans ces casiers comme elles l'étaient il y a un siècle. On a aussi une étiquette ici qui est assez... Champagne d'or, vin d'or potable... Pur champagne dynamisé d'or pur. Oui, alors là c'est vraiment la petite folie. Ici, on comprend ce que la Champagne a gagné en fantaisie, en marketing, en fait, qui ne s'appelait pas encore marketing, évidemment. Mais là, on est en fait dans un temple du marketing du début du siècle. Aujourd'hui encore, Épernay vit au rythme de la production de champagne. Les 10 maisons les plus réputées au monde ont leur siège social sur l'avenue. Aurélie et Michel s'approchent de l'une d'entre elles, Mouette et Chandon. Nous sommes devant les hôtels Chandon-Trianon, qui ont été construits par Jean-Rémy Mouette pour son fils et sa fille. Et là, on est dans le pur style Premier Empire, avec l'orangerie qui se trouve au fond. Jean-Rémy Mouette, c'est le premier en fait à faire son hôtel particulier au-dessus de ses caves. Donc il a son lieu de production, de stockage, et au-dessus, son hôtel particulier qui lui sert de résidence, mais également de lieu de prestige pour recevoir des hôtes très connus, notamment Napoléon. Les visites de l'empereur Napoléon Ier entre 1804 et 1814 marquent le début de l'essor de l'avenue. Les grandes maisons s'y installent. Et pour promouvoir leur marque, elles créent l'événement. Mercier reçoit le président de la République, Sadi Carnot, en 1891. Grâce aux négociants en vin de champagne qui sont venus ici s'implanter petit à petit, c'est créé une sorte d'émulation architecturale. C'était à celui qui aurait le plus bel hôtel. Et là, on en a un bel exemple donc avec l'hôtel de Venoges, qui a été construit donc pour Marcel Galis. Et lui a choisi un matériau très noble pour l'époque, la pierre de taille.
Dès le milieu du 19e siècle, et en moins de 50 ans, l'avenue se pare de bâtiments époustouflants. Les architectures sont variées. Un certain classicisme pour l'hôtel Auban Mouette, des tourelles néo-médiévales pour le château de Pékin, des choix qui correspondent au goût des patrons de l'époque. Aurélie et Michel s'avancent vers ce qui reste sans doute l'un des symboles les plus incroyables du faste de l'avenue, le château Perrier. C'est Charles Perrier qui a fait construire cet hôtel particulier en 1855. Charles, en fait, a repris les affaires suite à son père. Et lui, pendant sa carrière, il va multiplier par 46 le chiffre d'affaires. Donc il va arriver dans les hautes sphères de la bourgeoisie et il va vouloir inscrire sa réussite ici sur l'avenue de Champagne. Donc ici, on est face au château qui est typiquement du style éclectique. On a un foisonnement de styles architecturaux complètement différents. On a par exemple le style Louis XIII qu'on retrouve avec cette alternance de briques et de pierres. Le style médiéval avec la balustrade tout en haut, les chaînages qui s'entrelacent. Et on a aussi ces colonnes qui animent l'avant-corps central et qui font référence au palais du Luxembourg. Aurélie poursuit son travail d'observation côté jardin. Nous sommes sur la façade arrière du château Perrier. Toutes les façades du château sont différentes. Et on voit encore une fois ce souci qui est apporté en fait sur la décoration, et notamment les cheminées qui sont en appareillage briques et pierres et qui sont en spirale. Et en fait, c'est pour symboliser la fumée qui s'envole dans le ciel. À côté du château, cette demeure à la façade discrète abrite une collection unique. La marque Perrier-Jouët y reçoit uniquement ses hôtes de prestige. Bonjour, bienvenue à la maison Belle Époque, Thierry, chargé de cette maison. Ravi de vous accueillir. Aurélie est invitée à redécouvrir cette maison qui a été fermée pendant 2 ans pour une rénovation complète. Aujourd'hui, cette sculpture retrouve enfin sa place sur la cheminée. C'est la directrice de style de la maison qui va la dévoiler. Nous allons découvrir ensemble cette œuvre qui vient d'arriver, qui est une pièce très importante dans l'histoire de la maison. L'éternel printemps de Rodin, qui est dans une fonte historique puisque Rodin était encore vivant à l'époque. L'artiste met en scène ici un couple enlacé. C'est une ode à l'amour, à la sensualité et à la nature. Ce sont les salariés de la maison qui se sont cotisés pour offrir cette pièce, pour célébrer le centenaire de la maison au patron de l'époque. D'ailleurs, c'est signé d'une façon assez merveilleuse. Au patron, souvenir du centenaire. 100 ans à faire un champagne de qualité. Il y a aussi cette fierté-là qui s'exprime dans ce cadeau. Le mobilier est composé de joyaux de l'Art Nouveau, comme ce salon Majorel, présenté à l'exposition universelle de 1900. Il est extrêmement inspiré de la nature. Vous voyez, quand on l'appelle salon fougère, c'est que toute la structure est dessinée avec des fougères. Et puis, on a toujours des détails absolument merveilleux. Ici, les 2 escargots qui montent sur le dossier du canapé. Là, Majorel, très clairement, a voulu mettre une touche d'esprit et d'humour. Il y a une liberté d'expression dans l'Art Nouveau. Toutes les pièces de la collection sont originales. Elles témoignent de l'esprit Belle Époque. Comme cette œuvre de Toulouse-Lautrec, qui représente Yvette Guilbert, une danseuse du Moulin Rouge. Il y a toujours un soin qui est apporté au choix de l'artisan, de l'artiste même, pour pouvoir décorer au mieux leur maison et puis avoir cette volonté de représentation de la marque. Toujours le meilleur. Sur chaque détail, on est vraiment plongé dans l'Art Nouveau, dans cet art du début du XXe siècle et qui nous fait vraiment rêver de pièce en pièce.
À l'étage, les chambres sont aménagées avec un mobilier créé par les grands noms de l'Art Nouveau. Un ensemble qui fait de cette maison un lieu unique en France. Maintenant, on va découvrir la chambre Majorelle, dont l'ensemble du mobilier a été dessiné par Majorelle. Voilà, c'est typiquement, vous voyez, un travail de l'Art Nouveau. Ici, on est dans un très beau savoir-faire de marqueterie avec des inserts qui sont très sophistiqués. Le travail de la main est absolument clé dans l'Art Nouveau. Quand vous voyez les épines sur la ronce de la rose, on est dans des choses qui sont extrêmement détaillées, très très fines. Profondément, l'Art Nouveau a un seul objectif, c'est injecter du beau dans le quotidien, transformer l'utile en merveilleux. Donc on rend hommage, je pense, à tous les grands artistes de l'Art Nouveau en faisant vivre encore leurs œuvres au sein de cette maison. Nous quittons Épernay pour l'autre capitale du Champagne, Reims, située à 30 km au nord. Cité des sacres des rois de France pendant plus de 10 siècles, elle a développé son épopée industrielle grâce à de grandes sagas familiales. Celle de Madame Pommery est sans doute la plus remarquable. Cette femme est une pionnière. Veuve à 39 ans, elle doit assurer seule l'avenir de sa fille Louise. En 1858, elle prend la tête de la modeste maison de champagne de son époux. Grâce à sa maîtrise de l'anglais, elle développe son entreprise à l'international, faisant grimper les ventes de 20 000 bouteilles par an à plus de 2 millions. Aujourd'hui encore, son domaine de production est l'un des plus prestigieux de Reims. Thierry Gascot en est le chef de cave. C'est lui qui est le garant du goût du vin. Il élabore les assemblages et contrôle chaque étape de production. Ça fait 25 ans que je suis dans cette maison, ça fait 25 ans que tous les matins en arrivant, je regarde autour de moi. On arrive, on regarde tous les bâtiments superbes, avec une architecture un petit peu originale, de type Elisabetta, parce que tout simplement, Madame Pommery voulait que ses clients anglais qui viendraient chez elle puissent se sentir un petit peu comme chez eux. Et à l'intérieur de ces bâtiments, alors qu'on ne peut pas s'y attendre, on retrouve toute une zone de production, et c'est quand même un site merveilleux. Et je dirais que j'en suis tombé amoureux il y a 25 ans. Je pense qu'à la limite, je mourrais en restant toujours amoureux de ces bâtiments et de ce site. Ce matin, c'est la mise en bouteille. Il a fallu vider ces immenses cuves. Là, ici, vous êtes dans la cuverie de vinification de Pommery. Vous avez autour de moi des cuves de très grande contenance, puisque par exemple une cuve comme celle-là, c'est une cuve qui peut contenir jusqu'à 500 000 bouteilles. Donc deux fois 500 000 déjà, vous voyez. J'ai un million de bouteilles de chaque côté. Monsieur Esco, je vous ai appelé parce qu'en fait, on s'aperçoit... À peine arrivé, Thierry est sollicité. Donc je pense qu'il faudra aller vérifier l'intérieur, si des fois il n'y a pas une fuite. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une fuite? Bon, alors j'y vais, Baptiste. Hein. Il n'y a qu'une seule manière, un peu acrobatique, d'entrer dans la cuve. On est vraiment dans le cœur de la cuve, dans le cœur du réacteur. La cuve est vide, heureusement, sinon on serait un peu noyé. Thierry contrôle la paroi intérieure. OK. Tout est conforme, c'est sa responsabilité de tout vérifier. Dès qu'il y a un petit problème, en général, c'est le chef de cave qui appelle. Il faut voir un petit peu comment faire pour résoudre le problème. Il ne faut pas uniquement que l'homme du vin, il faut également, je dirais, connaître tout ce qui peut tourner autour du matériel utilisé en cuverie et en production. Thierry arrive ensuite vers la chaîne d'embouteillage. Ces milliers de bouteilles vont être remplies de vin dit tranquille, pas encore effervescent.
Du sucre et de la levure sont ajoutés pour la fermentation, ce qui donnera les fameuses bulles de champagne. À la fin de la chaîne, il faut fermer la bouteille. On va commencer par mettre ce qu'on appelle, entre nous, entre champenois, on appelle ça un bilule. C'est un petit obturateur en plastique qui va être mis vraiment dans le col de la bouteille, à la rasée du col de la bouteille. Et ça va servir à l'herméticité totale, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va avoir de la pression, il faut pouvoir conserver cette pression-là. On appelle ça un bilule parce qu'on n'a pas trouvé de nom. Donc, alors, c'est un obturateur, si vous voulez. L'obturateur, c'est un peu vulgaire. Donc, un bilule, c'est plus sympa. Voilà. Donc, on appelle ça un bilule, tout simplement. Et même, vous allez aux USA, ils appellent ça des bilules aussi. Les bouteilles reçoivent ensuite une capsule pour une étanchéité parfaite. Puis, elles vont descendre en cave, où le vin va devenir effervescent. C'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Thierry va contrôler une étape décisive de la production. Donc là, on va prendre un escalier qui va nous permettre d'accéder à nos 18 km de cave, là où on stocke l'ensemble des vins de la maison. C'est un escalier qui s'étend sur 116 marches et qui nous permet d'arriver à 30 mètres sous terre. Cet escalier est habillé de lumière par une œuvre contemporaine. Cette partie des caves est ouverte à la visite. Thierry débouche dans la galerie principale, au style plutôt pop. Depuis 2003, nous faisons des expositions d'art contemporain. Et donc ici, vous avez un artiste coréen qui s'est exprimé avec plein d'ustensiles de cuisine, encastrés les uns dans les autres pour pouvoir faire cette décoration. À côté des œuvres d'art, la cuvée Prestige patiente plus de 10 ans en cave, le temps nécessaire au développement des arômes. Ces galeries creusées dans la craie permettent un vieillissement optimal grâce à une température constante de 10 degrés été comme hiver. Là, nous sommes dans une des 120 crayères qui se trouve sous le domaine Pommery. C'est un énorme puits qui a servi de l'époque gallo-romaine jusqu'au Moyen-Âge pour extraire la craie pour pouvoir construire les bâtiments de la ville de Reims. Par cette porte-là, on va quitter le circuit visite pour, au final, se retrouver sur le lieu de la production. Et là, on arrive vraiment sur une autoroute. C'est pas l'autoroute des vacances, c'est l'autoroute de la production de Pommery. Dans ces chariots circulent les bouteilles qui viennent d'être remplies. Au total, il y en a 30 millions stockées dans ces galeries. Ce réseau, véritable ville sous la ville, est un lieu de production de pointe. Là, ici, vous avez des caves avec des arches un petit peu de type gothique. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec un matériel ultra moderne qui sont des robots, le même type de robots que ce que vous pouvez trouver dans l'industrie automobile. On a l'impression d'être dans un monde un petit peu imaginaire. Et non, on est dans le monde du réel, dans le monde du champagne aujourd'hui. Voilà. Au bout d'une galerie, le chef de cave débouche dans un laboratoire souterrain. Ici a lieu une opération délicate lorsque le vin est arrivé au terme de son vieillissement. Pour les gros contenants, comme ce Jéroboam, l'équivalent de 4 bouteilles, ce geste se fait encore manuellement. On l'appelle le dégorgement à la volée. Tout le dépôt de levure se trouve concentré dans le col de la bouteille, donc ici devant dans le Jéroboam. Donc le bouchon du Jéroboam s'arrête à peu près à ce niveau-là, et le dépôt est sur toute cette hauteur-là. D'accord ? Donc ça, son travail maintenant, ça va être de chasser tout ce dépôt qui se trouve dans le col de la bouteille, tout en gardant le vin dans la bouteille. Donc s'il perd du vin, il se fait engueuler. Il faut y aller. C'est un geste très traditionnel, puisque le dégorgeur à la volée, c'était la personne à l'époque la mieux payée dans les caves de champagne. C'était un véritable métier. Ça a été beau. Tu as été beau. Ah bien là, le dépôt, il est là. C'est ce que vous voyez là. C'est un mélange de vin et de dépôt.
Le vin est resté, voilà. On est arrivé ici. C'est le principe. Donc, il n'y a plus qu'à boucher, museler derrière. Après quelques semaines de repos en cave, ce Jéroboam de la cuvée Prestige pourra être dégusté. Nous quittons Pommery, mais nous reviendrons à Reims, car chaque été en juin a lieu la fête la plus attendue de l'année. À 700 km de là, près de Bordeaux, David Souni sillonne les routes d'une autre région viticole inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Cet historien et archéologue étudie le Saint-Émilionnais. Car Saint-Émilion n'est pas seulement un célèbre vignoble, c'est aussi un village riche de 800 ans d'histoire. Donc là, on rentre par la dernière des 6 portes de Saint-Émilion, la seule qui existe encore, la porte Brunet. Nous sommes donc dans ce qui était l'une des principales rues de Saint-Émilion, dans cette ville médiévale, populeuse et commerçante, il y a 700 ans ici. Et là, on est en train de passer à côté d'anciennes maisons médiévales, avec là un bel exemple, là, ce qu'on appelle la commanderie à Saint-Émilion, une maison romane des années 1200. Mon travail, c'est de faire parler les pierres, de les comprendre dans un premier temps, et de remonter les pièces du puzzle pour donner du sens aux vestiges de cette ville de Saint-Émilion. Les bourgeois au Moyen-Âge habitaient dans ces maisons au cœur de la cité et cultivaient leurs vignes à l'extérieur de la ville. Baby, you're so beautiful. David parcourt régulièrement ce paysage viticole. Toujours intact aujourd'hui, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Saint-Émilion a fait partie des premiers territoires viticoles inscrits à l'UNESCO. Et en 1999, c'était quelque chose d'assez novateur de reconnaître non pas uniquement un monument ou un ensemble bâti, mais une ville et son environnement, puis son vignoble tout autour, là, ces paysages façonnés par l'homme depuis quasiment 2000 ans. Et c'est ce lien indissociable entre les deux qui a été reconnu à Saint-Émilion. David quitte le plateau de Saint-Émilion pour se diriger dans la vallée de la Dordogne. Il traverse le territoire inscrit à l'UNESCO, composé de 8 communes. Saint-Émilion à l'ouest et 7 autres villages qui se déploient autour. David se dirige vers Saint-Sulpice de Falérins. Pour définir le périmètre d'inscription, l'UNESCO a repris les limites historiques de l'ancienne juridiction du Moyen-Âge. Ce qu'on appelle la juridiction de Saint-Émilion, c'est ce territoire qui a été délimité en 1289 par le roi d'Angleterre. Et ça correspond à un territoire sur lequel donc, la ville exerce la justice, ce que l'on appelait au Moyen-Âge le ban. Et cette justice s'exerçait sur une distance d'environ une lieue, ce qui a donné son nom donc, à la banlieue. Donc une lieue à la ronde, c'est-à-dire environ 4 km sur lequel on exerce la justice. Parmi les lieux qui permettent de définir les limites de cette juridiction, eh bien, on a le menhir de Pierrefitte ou Peyrefitte en gascon, qui signifie tout simplement la pierre levée. Et on a ce mégalithe ici, là, le plus imposant du département, 5,20 m de hauteur, qui faisait un repère visuel, la Dordogne étant juste à côté. Et ce menhir correspond à l'emplacement, à quelques dizaines de mètres d'ici, du port médiéval de Saint-Émilion, par lequel transitait le vin qui était exporté vers l'Europe du Nord et l'Angleterre.
L'exportation de vin a fait la richesse de la région et a permis le développement de domaines d'exception. Son château viticole émaille le Saint-Émilionnais. Dans le village de Saint-Christophe-des-Bardes, David passe à proximité de l'un des plus spectaculaires. Le château Larocque, un grand cru classé. On aperçoit à la façade arrière du château une construction en plusieurs étapes. Ce qui saute aux yeux, au premier plan, c'est cette énorme tour circulaire de la fin du Moyen-Âge ou du début du XVIe siècle. Une fois qu'on a passé les dépendances viticoles, on voit apparaître la façade principale, qui est d'un type bien différent de la façade arrière, puisqu'on est sur un bâtiment entièrement reconstruit en 1750 pour mettre la façade principale, la façade sur cour, au goût du jour, avec une architecture classique. Comme pour le château Larocque, l'architecture des domaines du Saint-Émilionnais a été modifiée au fil du temps, en fonction de la mode et des goûts des propriétaires. David se dirige maintenant vers Saint-Étienne-de-Lys. Parmi les châteaux étudiés par l'historien, le plus étonnant est sans doute le château de Pressac. Un bijou néo-gothique, niché au cœur d'un vignoble de 40 hectares, qui existe depuis le XVIe siècle. Pressac, c'est un autre lieu chargé d'histoire. Et cette allée avec ses grands cèdres est faite pour attirer le regard du visiteur et du négociant qui venait à la propriété déguster le nouveau millésime. Donc ce château doit se voir de loin, donc on a l'architecture, les hautes toitures et les grands arbres font partie de ces marqueurs du paysage. David est accueilli par Jean-François Quenin. Le propriétaire est aussi vigneron. Il habite et travaille à Pressac. L'architecture du château a été complètement remaniée au XIXe siècle. Ici, on va garder toute une partie des codes du château de la fin du Moyen-Âge. On est dans du néo-gothique, qu'on qualifie parfois de néo-gothique troubadour. On va retrouver la fenêtre à meneaux avec le larmier qui le souligne, et puis la caractéristique du gothique flamboyant, très prisé des architectes néo-gothiques du XIXe siècle. C'est cette porte d'entrée avec son accolade qui alterne des crochets et un fleuron en partie haute, et deux animaux monstrueux, on est dans le vocabulaire des chimères, des gargouilles, sur lesquelles repose l'accolade. Je pense qu'il y avait une volonté de statut social, probablement, mais c'est également une volonté de montrer le statut du cru, et donc de montrer que le cru château de Pressac était un cru prestigieux, comme aujourd'hui on fait des beaux sièges sociaux dans les multinationales. C'est la même approche. Jean-François n'est pas originaire du Bordelais. Lorsqu'il s'est installé ici, le domaine était à l'abandon. Restaurer le château et l'ensemble de son vignoble était alors un véritable défi. J'ai racheté cette propriété il y a 20 ans exactement, avec mon épouse. Donc auparavant, je travaillais dans une chaîne de distribution. J'étais passionné par le vin, donc on a sauté le pas. J'ai quitté mon emploi à Paris et je suis allé à l'école à Bordeaux pour apprendre les bases. Pour faire renaître ce domaine, Jean-François a recomposé le paysage avec ses terrasses plantées de vignes. Il a aussi réintroduit un cépage historique, ici à Pressac. J'ai replanté des noirs de Pressac, des Malbecs. Donc on voit qu'on a des feuilles assez rondes et larges. Et puis on a une grappe avec des grains qui sont assez gros. Une grappe avec des grains qui ont beaucoup de jus. Et ça donne énormément de couleurs. On voit cette couleur noire qui sort, c'est de l'encre. Voilà.
pour me mettre dans ce métier-là, j'ai décidé de recommencer par la base. Donc j'étais faire une année au lycée agricole, où j'ai fait un brevet professionnel, c'est-à-dire j'ai été apprendre les bases, j'ai été apprendre à tailler les principales maladies de la vie, les insectes, etc. Et du coup, à quel âge ? 48 ans. Et aller à la cantine avec les sixièmes, c'est très, très intéressant. Je suis tombé amoureux de ce territoire et je me suis attaché. Je pensais que j'achetais une entreprise que je revendrais au moment de prendre ma retraite. Et aujourd'hui, je me sens complètement vignon. J'ai plus du tout envie de prendre ma retraite. David repart en direction du village de Saint-Émilion. Il a rendez-vous au château Ozone. Situé aux portes de la cité médiévale, le domaine surplombe un vignoble d'exception. C'est l'un des crus les plus célèbres du Bordelais. Ce château viticole a été construit au XVIIIe siècle avec les pierres dorées du plateau calcaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'architecture du château qui intéresse David, ce sont les mystères découverts dans la falaise. Alain Vautier, le propriétaire, l'emmène au sommet du plateau. On est au contact même de cette roche de Saint-Émilion. On est au cœur de la falaise. Oui. En haut de l'escalier s'offre un panorama unique. Cela fait 3 siècles que la famille d'Alain Vautier produit ici un vin d'exception, l'un des 2 seuls premiers grands crus classés de Saint-Émilion depuis 1955. Lorsqu'on a pris l'habitude de manger des raisins de cuve, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût que les raisins de table. Ils ont une complexité aromatique. C'est vrai, on est quasiment sûr de faire un grand vin. Oui, des raisins comme ça. Alain n'est pas seulement passionné de vin, il s'intéresse aussi au patrimoine historique de son domaine. Dans cette chapelle, des fouilles archéologiques ont permis une découverte étonnante. C'est un endroit que je connais depuis 67 ans, puisque je ne l'ai jamais quitté, et c'est un endroit absolument extraordinaire. Et depuis à peu près une trentaine d'années, nous faisons des recherches sur l'histoire, et petit à petit, on trouve. Les fouilles ont mis au jour ces cavités creusées à même la roche. Ce sont des tombes. Antérieures à la construction de la chapelle romane, elles dateraient du XIe siècle. On est ici sur un sanctuaire important avec une concentration de sépultures assez étonnante. Ça ne correspond pas uniquement à la population de Saint-Émilion. Visiblement, avec ce cimetière ici, c'est un lieu privilégié d'inhumation, un endroit où on venait de loin pour se faire inhumer dans ce vaste cimetière qui s'étendait jusqu'à Saint-Émilion. En contrebas, le propriétaire guide David vers une cavité creusée dans la falaise. Un lieu sacré. Merci. Je vais rentrer. Alors ici, donc, on se trouve juste à l'aplomb de la chapelle de la Madeleine. Et pour faire de la place dans ce cimetière, régulièrement, eh bien, il fallait vidanger ces sépultures, tout simplement. Et les ossements étaient entreposés ici, dans un ossuaire, en partie basse. Ces ossements humains se sont accumulés pendant des siècles dans cette fosse. Sur la voûte, des peintures du XIe siècle racontent en images une scène du jugement dernier. Au centre de la scène, on voit apparaître le Christ et il présente ses plaies. Ici, on voit l'intérieur de ses paumes et on voit la trace de la lance qui lui a perforé le torse.
Et ici, la gueule du Léviathan, donc ce symbole des enfers. Et vous voyez ici cette tête monstrueuse, les crocs acérés de la gueule des enfers qui s'ouvre pour engloutir les damnés. Ces peintures sont avant tout destinées aux défunts, aux ossements qui sont en bas, pour les guider. On peut faire l'analogie avec les célèbres tombes de Pharaon, où ce riche mobilier n'est pas destiné à être vu d'un quelconque public, il est là pour accompagner le défunt dans son voyage vers la vie éternelle. Nous sommes au milieu du mois de septembre. L'aube se lève à peine sur le château Coutette, un domaine qui appartient à la même famille depuis 400 ans. Dans cette parcelle, en haut du plateau, les David Beaulieu se sont lancés dans une aventure hors du commun. Depuis 4 ans, ils préparent une cuvée spéciale en hommage à leurs ancêtres. Aujourd'hui, c'est une étape déterminante, le début des vendanges. On va attaquer. On commence là-bas. On ramasse pas les arlots. Les arlots, c'est les raisins qui poussent en haut. C'est ce qu'on laisse pour que les griffes soient grasses. Ils vont bientôt arriver. À 32 ans, c'est Adrien qui est à l'initiative de cette cuvée unique. Elle est produite à partir de ces cèpes centenaires de Merlot, dont les rendements sont modestes. C'est là où tout se joue, c'est-à-dire que tout le travail de l'année se joue sur cette période de 2 semaines. Donc effectivement, on guette la météo tous les jours, presque toutes les heures. Et là, on a vendangé aujourd'hui, c'est le moment, je pense, absolument parfait. Adrien travaille avec son cousin Mathieu. Il représente la 14e génération de vignerons à Coutette. Comme leurs aînés avant eux, ils cultivent leurs vignes sans aucun produit chimique. Et pour cette cuvée spéciale, ils travaillent avec les mêmes gestes qu'il y a 300 ans. La vendange est faite sans aucune mécanisation, à la main et au cheval. Donc l'idée, c'est pas d'essence dans cette parcelle depuis 4 ans. Donc là, comme on est situé sur l'un des points culminants du plateau calcaire de Saint-Émilion et que Coutette a toujours été bio, ben, on peut considérer que cet endroit est un des rares endroits qui n'a pas été impacté par les pesticides du dernier siècle. Et du coup, l'idée, c'est de travailler comme à l'époque. Donc sans électricité, sans essence. Cette idée originale est née d'une découverte dans la cave du domaine. C'est la cave familiale dans laquelle on stocke les bouteilles pour la collection, l'histoire. Et là, je vais vous montrer le trésor. Donc voilà, il s'agit de cette bouteille, qui est donc la fameuse bouteille trouvée par mon oncle, qui l'a trouvée ici, dans la terre battue. Et du coup, on a pu dater cette bouteille à 1750, et donc on constate qu'elle a un niveau qui est absolument parfait. Elle est encore complètement pleine. Depuis près de 300 ans, le vin est resté prisonnier dans son flacon. Comme c'était l'usage à l'époque, la bouteille est fermée avec un bouchon en verre, poli à l'émeri, pour une étanchéité parfaite. Le bouchon, il a une forme de cœur. Alors pourquoi, on ne sait pas vraiment, mais on suppose quand même très fortement qu'elle a été faite à l'occasion d'un mariage, de fiançailles, en tout cas d'une union, a priori. Il s'agit d'un exemple, je pense, unique. 1750, de notoriété publique, on ne connaît pas beaucoup de bouteilles aussi vieilles que celle-là. Quand on a découvert son âge, là, on l'a mis dans un lieu sûr et maintenant on la montre assez rarement. Pour réussir à reproduire ce vin à l'identique, Adrien est aidé par Romain. C'est lui qui a dressé ses chevaux pour le travail dans la vigne. Oh, oh, droit, demi-tour. Encore, oui. Et là.
droite. Cette initiative, débutée il y a 4 ans, a été bénéfique pour le terroir. Oh, oh. Quand on a commencé les travaux au cheval sur cette parcelle-là, on sortait des blocs comme ça. Il y avait 50 ans de tracteurs derrière, avec des tassements, des outils, une manière très violente de prendre la terre. Et petit à petit, en 2 ans, ça a commencé à se rectifier. Grâce au travail au cheval, il y a un phénomène de poussée quand le cheval avance, qui ne provoque pas de tassement. Aujourd'hui, on a une structure très grumeleuse, presque un sol de forêt qui est idéal pour la vie, puisque c'est très aéré, il y a plein de bestioles dedans. C'est ça qui fait la richesse de ce terroir. Une droite. Une fois le chargement de raisins terminé, Romain le mène au tri. Devant. Très bien, devant. 3 ans ont été nécessaires pour dresser ce cheval. Chenille, attention. Ça prend du temps, faut y aller petit à petit, en douceur, être régulier dans ses ordres. Et à force, on s'entend tellement bien, le cheval connaît tellement son travail qu'on est vraiment sur un type de collaboration comme ça pourrait être avec un collègue de travail humain, quoi. C'est harmonieux et c'est presque une osmose tout au long de la journée. Hey, Younch. Oh, oh. Au tri, Alain, l'oncle d'Adrien, contrôle les opérations. Ici aussi, les gestes sont ancestraux. Le travail se fait à la main. C'est parfait, on a un bon rythme. La vendange est très belle. Peu de tri à faire, finalement. Ça s'emplit doucement. Une fois triées, les baies sont amenées pour la macération dans un foudre en bois. L'exigence sur cette cuvée spéciale est totale. À la cave, le travail se fait aussi sans électricité. C'est Mailleul, le plus jeune de la famille, qui est chargé du pigeage. Allez, Mailleul. Voilà, donc il faut passer partout et tasser. Que tu aies l'impression d'écraser tous les raisins. C'est pas mal. Pas trop vite, hein, pas trop vite. Là, tu as oublié un petit passage. Hein. Ouais. Là, t'as oublié un grain, là. Il s'agit là de libérer le jus des baies de raisin, donc on y va à pied d'homme pour tasser et bien mélanger les baies. C'est bizarre, ça fait plutôt bizarre. Écrase. Ces quelques minutes de foulage se font sous les yeux de la famille au complet. Autour de la doyenne, Thérèse, la grand-mère d'Adrien, 3 générations sont réunies. Dans ma jeunesse, j'ai connu ça. Et on écrasait le raisin avec mes sœurs et mon père et puis le personnel. On écrasait le raisin, c'était très amusant. Et c'est très émouvant, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Pour développer le domaine, Adrien s'est aussi lancé dans l'œnotourisme. Bonjour et bienvenue à Coutette. Aujourd'hui, il accueille des visiteurs japonais. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le Malbec. Donc le Malbec est un raisin à gros grains, avec une peau assez épaisse. Very sweet and juicy and some mineral. I feel some mineral. Ça fait 4-5 ans qu'on reçoit un peu de public pour se faire connaître. Parce qu'on nous connaît un petit peu localement, mais à l'étranger, un petit peu en retard en termes de notoriété. Donc, comme il n'est jamais trop tard, on s'y met.
Ces visiteurs sont des amateurs de vin et de potentiels clients pour Adrien. Ils vont découvrir l'histoire de la cuvée spéciale appelée Emery dans les caves du domaine. I'm very excited. Les premières bouteilles du millésime 2014 sont vendues cette année. Pour pouvoir refaire la même bouteille, nous nous sommes associés avec un meilleur ouvrier de France, Verrier. Et pendant 4 ans... Cette bouteille, identique à l'original, vient d'être créée spécialement pour la cuvée. Alors, je suis très content de faire cette démonstration, mais tu peux leur dire qu'on a mis 4 ans avant d'arriver au prototype final qui ne fuit pas. Et là, fais rentrer le bouchon dedans. Et là, on est étanche. À vie, c'est ça le principe du bouchonnage à l'Emery. La visite se termine par une dégustation. Adrien espère convaincre et générer de nombreuses commandes. I feel this is very natural taste. So this really smoothly comes to my body, and I think we really love this taste. ここが好きっていうのがすごく伝わってきて、すごい嬉しいし、1750年のワインも私すごくロマンチックじゃないけどその時に結婚した2人は絶対絶対幸せになったかなって、はい、飲んで納得というか。À partir du moment où on commercialise nous-mêmes ce qu'on produit, il faut être un peu sur tous les fronts. C'est ça qui est bien. Un jour, on est en mode réception. Le lendemain, on remet les bottes. Le surlendemain, on prend un avion. Après, on va dans la vigne. C'est ça qui est génial. En tout cas, c'est ce que moi, j'aime dans mon métier. La visite est terminée. Merci des autographes, Adrien ? Apparemment, oui. Je sais pas ce qu'il y a écrit, mais bon, je... Je signe. You're welcome. Thank you. Mission accomplie pour Adrien. Aujourd'hui, il a vendu 40 bouteilles de la cuvée Emery. Nous retournons en Champagne pour l'événement de l'année. À Reims, à côté du domaine Pommery, voici le château des Crayères. Cet hôtel-restaurant réputé est installé dans l'ancienne résidence de Louise, la fille de Madame Pommery. Ce soir a lieu la fête la plus courue de la région, la soirée blanche. Personnes sont attendues dans le parc à 19h. Hervé Faure, le directeur de l'hôtel, est sur la brèche. On est à 3 heures de l'ouverture des portes, donc ça va commencer tout doucement à monter. Il faut imaginer qu'on a un peu plus de 2500 bouteilles qui vont être vendues ce soir. Donc ça demande aussi une grosse organisation en termes d'installation. La tension monte aussi dans les cuisines du restaurant 2 étoiles. Jean-Marc, le poissonnier, arrive avec 2 turbos. Ah, tu viens ? Des pièces exceptionnelles qui seront servies au dîner. Là, on est sur combien de kilos, là ? On est sur 12 kilos 2. On a surtout une belle épaisseur de filet, ce qui est le plus important. C'est là qu'on voit que c'est un vrai turbo français. Hein. Il faut réussir déjà à les trouver et après réussir à les acquérir. Parce que quand tu en as en crié, évidemment, c'est bien beau de les voir passer, mais il faut réussir à les avoir. Et tous les jours, c'est un challenge. C'est ça le plaisir du métier. Voilà, on voit, hein, la chair, elle est ferme. Juste ce qu'il faut, translucide. C'est vraiment très, très beau. Pour la soirée blanche, Philippe Mill a prévu un menu unique qui met à l'honneur le terroir champenois. On est entouré de vignes ici en Champagne. Donc là, voilà, on a récupéré tous les sarments, on a donné un goût particulier quand même à cette braise. Et puis, tout à l'heure, on va cuire nos asperges dedans en croûte de sel. Et puis au-dessus, on va griller notre turbo.
voilà, pour vraiment voir l'histoire entre la vigne et notre recette qui va être présente pour ce soir. Les assiettes vont composer un camailleux de couleur blanche. Le poisson sera servi avec les dernières asperges de saison. Ah, c'est beau. Et tous les plats seront accompagnés de champagne. En cave, Hervé est justement descendu avec Philippe Jamès, le chef sommelier, pour sélectionner les bouteilles qui seront proposées ce soir aux convives du restaurant. On peut voir éventuellement celui-ci. Ça, c'est un vieux millésime de Don Ruinard, donc c'est un pur chardonnay blanc de blanc, issu d'un récolte 88, qui est très difficile à trouver aujourd'hui. On a celui-ci, donc ça, c'est une petite perle aussi, c'est la maison Charitzik. Et nous sommes ici avec la vendange 1981. Il y en a une seule. C'est bon ? Oui. C'est un petit bijou, les amis. Ah, je vous laisse l'ouvrir, Philippe. 90, années exceptionnelles. Année fantastique. Cette année, elle fait partie de ce qu'on appelle les trois glorieuses, 88, 89 et 90, qui furent trois millésimes successifs complètement exceptionnels. Donc c'est très intéressant. D'autant plus que Louise Pommery, c'est elle qui a construit cette maison. Et donc, oui, il y a forcément un lien émotionnel très fort, avoir su garder le meilleur des cuvées qui sont nées sous le nom Louise Pommery. Donc une bouteille exceptionnelle. Il ne faut pas avoir de regrets quand on ouvre ces bouteilles, même en cave, à titre personnel. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir, déguster. C'est très pédagogique, très formateur, et puis ça véhicule beaucoup de plaisir. Et le plaisir efface le regret. En passionnés de champagne, Hervé et Philippe se sont lancés un challenge. Ce soir, au restaurant, les convives seront servis dans ce verre qu'ils ont inventé. Pour révéler les arômes du champagne, sa forme a été spécialement adaptée. Il faut que le nez soit à l'intérieur du verre. Et là, vous obtenez une certaine forme de plongée, d'immersion, donc une humidité très particulière qui nous connecte au terroir. C'est-à-dire qu'on va sentir, et quasiment uniquement à ce moment-là, l'iode, la salinité et la partie sels minéraux contenus dans la craie champenoise. Le secret, un espace suffisant pour que s'expriment les fameuses bulles, bien loin des flûtes à champagne, complètement proscrites aux crayères. Là, il y a un choc. Il y a un choc pour le vin, il y a un choc pour le gaz carbonique, parce qu'il est complètement oppressé dans un environnement très étroit. Donc vous voyez, cette énergie déployée en termes d'effervescence, on a beaucoup plus, on a une accélération incroyable parce qu'il y a une oppression. Pour encore mieux préserver l'effervescence, Philippe et Hervé travaillent aujourd'hui sur un prototype. Un verre qui ne ressemble à aucun autre. Ce cocon est un véritable piège qui emprisonne les bulles. Il n'y a pratiquement plus de hauteur de service. Et nous sommes, sans aucune violence, concentrés sur les effervescences et les saveurs olfactives restent à l'intérieur du verre. Ouais, et puis je peux le boire comme ça aussi. Ce que l'on a perçu très rapidement en concevant ce verre, c'est aussi un nouveau sens qui était Louis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans aucun effort, sans aucun geste sur le verre, juste en approchant l'oreille, on a l'effervescence. Et c'est magique, c'est magique. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau langage qu'on n'avait pas auparavant. Le vin nous parle. Il est 19h, la fête commence. Cette soirée n'est pas réservée à une élite. Elle est ouverte au public. Côté parc, les 3500 places ont été vendues en moins de 3 minutes sur Internet.
Les chanceux qui ont décroché le précieux sésame profitent sur la pelouse d'un pique-nique, arrosé sans surprise avec du champagne. Je suis née ici. Le champagne, c'est une institution chez nous. Ça va être soirée sans champagne. On l'ouvre pour les naissances comme pour les enterrements, finalement. C'est tout un symbole. Pendant ce temps, côté restaurant, le chef et son équipe sont en plein service. Philippe cuisine les asperges en croûte de sel. Il les cuit à la braise de sarment de vigne, en même temps que le turbo. Nous, on fait vraiment tout à la demande du client, la cuisson du turbo au moment, pour vraiment avoir quelque chose qui va être encore juteux à l'intérieur, moelleux, toutes ces saveurs qui vont être respectées. Quelques secondes pour un dressage soigné et l'assiette est prête à partir. C'est parti, chef. Dans la salle du restaurant 2 étoiles, les plats se succèdent. De l'entrée au dessert, c'est toujours le blanc qui domine. Deux heures plus tard, c'est le clou de la soirée. C'est un joli moment, le feu d'artifice. C'est important aussi. Le champagne a toujours accompagné les grands événements. Et cette région, finalement, elle avait besoin aussi de le célébrer. C'est la sensation aujourd'hui, quand je vois le plaisir qu'ont nos amis ce soir. Et nous aussi, on a envie de faire la fête, on a envie de savoir faire la fête et le montrer. Quittons la Champagne pour un autre territoire viticole inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À 400 km vers l'ouest, nous arrivons en Val-de-Loire. Entre Angers et Saumur, l'ancien port de mariniers du Toureil veille sur le fleuve. Cette route sur les rives de la Loire, Sylvie Augereau l'emprunte tous les jours pour aller travailler. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ici, on est au cœur du territoire inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui est tourné vers la Loire. La Loire, avant, oui, c'était une autoroute pour les bateaux. Ils emmenaient à Nantes du vin, des pommes, des fruits, et ils revenaient avec du sel. Et ça, c'est l'église. Le clocher du Toureil, en fait, il servait de phare à tous les mariniers de la Loire. C'était un repère. Sylvie est née ici, sur les rives du fleuve. Cette angevine est une personnalité dans le monde du vin. Journaliste spécialisée, elle écrit des guides et organise des salons viticoles. Elle est aussi vigneronne sur un lopin de terre de 1 hectare. Là, on va arriver juste à mes vignes. Les vignes les plus belles du monde. Ça, c'est mon territoire. Le vignoble de Sylvie surplombe le fleuve qu'elle aime tant. Là, on les entend pousser, les vignes. Et il va sérieusement falloir effouiller, on dit ici. On l'épluche, en fait, un petit peu. Cette parcelle est plantée de raisins blancs, du chenin, le cépage caractéristique de la Loire. Sylvie travaille ici en bio et elle bichonne chaque pied de vigne. Il y a des vignes plus que centenaires. Celles-là, elles ont déjà... Regardez. Elles sont entre 80 et... Enfin, elles ont plus de 80 ans, hein. Mais c'est des belles survivantes, hein. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté sculpture. T'as vraiment toutes les circonvolutions des pieds, les formes incroyables. C'est assez fascinant, quoi.
Moi, j'ai grandi là. Hein. J'aurais jamais pu vivre ailleurs, je pense pas. Hein. Quand j'étais petite, je voulais être écrivain et avoir une maison au-dessus de la mer. Et en fait, quand je regarde maintenant, bah, je suis quasiment écrivain et j'ai une maison au-dessus de la Loire et en fait, c'est mieux. Parce que je pense que justement, les racines, enfin, savoir d'où on vient, c'est très important. Mais en plus, aimer l'endroit d'où on vient, c'est un... Dans la vie, tu pars déjà avec des bons points, quoi. C'est agréable de vivre ici. Sylvie a tissé un réseau de vignerons innovants qui cherchent de nouvelles façons de travailler en respectant leur terroir. Aujourd'hui, elle va longer le fleuve jusqu'à Saumur pour rejoindre l'un d'entre eux à quelques kilomètres de là. Là, on est à Cuneau. On va passer devant la priorale, qui est un monument magnifique. C'est une des premières églises romanes. C'est le tuffeau, notre fameux tuffeau. Et c'est impressionnant parce que c'est assez brut et en même temps très, très ouvragé. Et les cloches. Le tuffeau est emblématique du Val-de-Loire. Pierre calcaire tendre, elle habille les monuments de sa couleur blanche et donne son identité au territoire. Alors, on contourne la jolie petite église de Trèves, qui est coiffée par une tour magnifique, qui est juste un reste de rempart qui devait courir tout le long de la Loire. Regardez les vaches. Les vaches qui profitent de la plage. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent élever les bovins, même les moutons, sur les bords de la Loire. Ça fait vivre les paysages quand même. La Loire, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Ça veut dire qu'il n'a pas été endigué, il n'a pas été trop construit, il prend sa place tout seul. Vous voyez les grèves, les îles. Il y a de super jolis bancs de sable. Le sable, ça fait vraiment partie de la Loire. Après une vingtaine de minutes, Sylvie arrive au domaine de Thierry Germain, dans une parcelle de Saumur-Champigny. Elle va suivre un geste singulier que Thierry est l'un des seuls vignerons à pratiquer. Bonjour tout le monde. Salut. Hey, vous avez déjà commencé à enrouler alors. Ouais, c'est vrai que c'est, cette année, on est dans une année très précoce. Au mois de juin, lorsque la vigne est en pleine croissance, Thierry enroule le long de ses fils l'extrémité de la liane, que l'on appelle l'apex. L'apex, 99% de la viticulture mondiale a tendance à les rogner. Mais pour moi, la vigne, c'est un être humain à l'envers. Toute la partie centrale de l'être humain, c'est-à-dire la tête, c'est ses racines, et toute la partie aérienne, imaginez que c'est vos jambes. Donc imaginez des gros couteaux qui vont arriver pour vous couper les jambes. Donc déjà, c'est quand même assez stressant. Vous n'allez pas en mourir, hein, mais vous allez quand même avoir du mal à vous déplacer après derrière. Et c'est exactement la même chose au niveau de la vigne. Ça va amener un stress énorme à la plante qui va faire que la plante va se concentrer plus sur les feuilles que sur le raisin. Le fait de ne pas la rogner, c'est vraiment laisser le cycle de la vigne aller jusqu'à sa fin. C'est comme accompagner un enfant. Thierry emmène Sylvie vers une autre de ses parcelles. Il l'a acquise récemment, mais en est tombé amoureux il y a 26 ans, quand il a quitté Bordeaux pour Saumur. C'est un clos, une délimitation typique du Saumurois. Donc là, on est au clos de l'Échelier. C'est un des vieux clos qui a été préservé ici dans la région.
Je pense que c'est important de s'identifier aussi à travers cette pierre, à travers cette histoire. C'est comme un artiste, un peintre, de façon à signer, gérer des bouteilles qui sont empreintes de ces lieux assez magiques. Tu vois, là, il y a les arbres. On a une identité très, très forte, une énergie très forte dans ce clos-là. Et à nous, justement, d'aller chercher cette énergie-là. Thierry s'investit pour protéger les clos saumurois et redonner ses lettres de noblesse à l'appellation. Avec Sylvie, ils partent vers ces clos historiques qui marquent le paysage, comme celui de Parnay, strié par ses murs de pierre, une originalité du Val-de-Loire. Des murs transversaux que l'on retrouve aussi au clos Cristal. Ils ont été imaginés à la fin du 19e siècle par un vigneron visionnaire, Antoine Cristal. C'est toujours aussi beau, hein? Ouais. À l'époque, pour concurrencer les vins du Bordelais, Antoine Cristal a l'ambition de produire des rouges dans une région réputée pour ses blancs. Pour compenser le climat moins favorable du Val-de-Loire, il a eu une idée ingénieuse qui va faire la renommée du Saumur-Champigny. À l'époque, on avait plus de mal quand même à amener les raisins à grande maturité. Il avait imaginé qu'on plante le pied au nord d'un mur, voilà, au frais. Donc le pied, hop, on va le prendre et on va le faire passer derrière. Il va venir se palisser de l'autre côté, côté sud. Le pied au frais et la tête au soleil. Et ce qui fait qu'ici, on a des kilomètres de murs. 3 kilomètres de murs en tuffeau permettent à la vigne de grimper à la bonne exposition. L'idée du visionnaire fonctionne parfaitement encore aujourd'hui, un siècle plus tard. Et regarde un peu la différence de maturité entre ça et ça. Là, tu vois combien de jours, là ? Entre les deux, t'as quasiment une semaine, voire 10 jours d'écart. C'est complètement surprenant. Les deux amis repartent vers une autre particularité du Saumurois. Ils traversent le village de Cannes-Saint-Martin, blotti à la confluence entre la Vienne et la Loire, pour reprendre la route sur la rive gauche du fleuve. Autour du château de Montsoreau, bâti au XVe siècle, se déploie un patrimoine étonnant, taillé dans le coteau. Là, on a la grande vignole qui est un vrai habitat troglodyte. Donc, le vignoble est sur le plateau. Les maisons et l'habitat est dans le coteau et ils vivaient en fait dans les caves. Plus loin, le village de Souzet-Champigny est aussi un exemple de ces habitats liés à l'exploitation du tuffeau. La signature même des vins du Saumur-Champigny sont liés à ces caves-là. Grâce à l'humidité, grâce à la fraîcheur, les bois ne sèchent pas, ça garde la fraîcheur dans nos vins. Tu peux pas parler de Saumur-Champigny ou de Saumur sans parler des caves. C'est complètement lié, quoi, en fait. Thierry, le Bordelais d'origine, et Sylvie, la fille de la Loire, partagent cet amour de leur paysage qu'ils veulent retranscrire dans leur vin. La journée se termine devant l'église de Souzet-Champigny, construite au XVIe siècle, dans un style gothique flamboyant. Oh là là, c'est beau. Là, c'est beau. Il y a une harmonie entre le blanc crème des bancs de sable, qui est complètement le blanc du tuffeau, qui absorbe la lumière. Le côté bleu foncé de la Loire qu'on retrouve sur les ardoises des maisons. Et puis, bien sûr, toujours cette verdure partout. C'est quand même, on est dans le jardin de la France. Quand on dit la douceur angevine,
C'est tout à fait ça. Il y a une douceur de vie ici qui est quand même magnifique. Et aujourd'hui, la Loire est en train de réécrire ses lettres de noblesse, et tout en gardant en fait les pieds très ancrés à la terre. Et moi, c'est ce qui me plaît et ce qui nous lie, d'ailleurs, je pense, avec Sylvie. Et c'est ce qu'il faut qu'on défende. Mes enfants sont nés ici, donc sont aujourd'hui des gars de la Loire et des filles de la Loire. Et j'en suis très, très fier. Le lendemain, au petit matin, le village de Sylvie s'éveille. À côté de l'église, dans sa cave, Sylvie se prépare avec son compagnon Nicolas pour un événement décisif. Thierry arrive tout juste pour apporter son aide et son expertise. Hey. Salut les copains. Ah bah mon titi, tu tombes bien. Allez, c'est parti pour le décuvage. C'est parti. Je suis désolé, un petit peu en retard. Non, on est bien. Ah. Aujourd'hui est un grand jour. Ce matin, les vignerons vont presser le raisin de la dernière vendange. Depuis 2 ans, Sylvie essaye une vinification en amphore pour son raisin blanc. Un retour original à une technique ancestrale. Impeccable. Parfait. Ouf. Alors, les baies entières macèrent depuis 9 mois. L'équipe doit maintenant vider le contenu de l'amphore. Parti. Ça sent bon. Et ben c'est marrant parce que ça, c'est sorti comme un diable, là, les parfums. Ça goûte bien. Là, ça commence à sentir bon. Hein. C'est un moment de tension. Le risque, c'est que le vin est tourné en vinaigre. Compacté, en général. Il faut éliminer d'abord les grains en surface qui sont oxydés. Là, t'as les raisins encore entiers. Hein. Là, c'est les raisins, ils ont pris l'air. Mais ils ont protégé les autres en dessous, qui, eux, sont jaunes. Ouais, c'est génial. Hein. C'est comme un chapeau qui va protéger toute la vie qui est dessous. Et dès qu'on enlève cette petite couche superficielle en surface, t'as tout le fruit, la fleur qui arrive. Et c'est la magie de l'amphore, elle est là. Pour en fait. Là, j'enlève. Ce qui sort de cet amphore, c'est du jus de raisin fermenté. Aucun produit chimique dans la vigne, et pas non plus d'ajout de levure ou d'arôme dans la cave, Sylvie produit ici un vin que l'on appelle vin naturel. Les vins naturels, c'est 100% raisin. Voilà, que du raisin. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une énorme panoplie de produits œnologiques, voire chimiques, qu'on peut ajouter sur les raisins pour s'amuser avec des arômes qui disent que ça va nous donner un goût de fraise, un goût de banane, voilà. Qui ne sont pas ceux du terroir. Ça va plus vite comme ça, les gens sont rassurés, ils dorment mieux. Bon, c'est vrai que nous, parfois, on échoue. Mais c'est le jeu. Mais ça fait aussi des choses plus surprenantes. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est la surprise. Les baies vont maintenant être pressées. Normalement, pour le vin blanc, le raisin est pressé dès la vendange. Ici, le raisin blanc est vinifié avec les baies entières, comme un rouge. Les tanins de la peau ont coloré le jus. Il y a un poil plus... Passer, et dès qu'il y a de la mousse, il faut arrêter. Cela donne naissance à une nouvelle sorte de vin, le vin orange. Ouh là là, ça mousse. Tu veux la mousse, là hein? Ouais. C'est vrai, en plus. Et là, ça devient super orange. Hein? Il y a plus de couleur. Là, on retrouve vraiment le chenin. Il y a un côté boisé, terreux aussi, un peu. Hein. Ça sent les plantes. Une de sucre. La verveine. Ouais. Super floral. Ouais, à chaque fois, c'est hyper floral. Hein. C'est chouette, hein. Bravo, Sylvie. Dernière étape avant la mise en bouteille, le vin va reposer 2 mois en tonneau. Pour
clôturer la journée de travail, l'équipe a organisé une dégustation de vin orange sur la Loire. Ils ont embarqué à bord d'une toue, un bateau typique qu'ils ont reconstruit avec leur association. Pour faire revivre ce vieux gréement, Pierre s'est initié aux techniques de navigation. Naviguer sur la Loire, il faut beaucoup d'attention, parce que les bancs de sable, tous les ans, ils ne sont pas au même endroit. Tu vois, par exemple, ce bras qui est à droite, c'est le bras principal. L'année dernière, c'était le bras gauche qui était le bras principal. En fait, ces méandres sont dessinés par la descente du sable de Loire qui descend en permanence, voilà. Donc ça se décale tout le temps. Pierre, ah, merci. Oh là là, quel bien orange. Ah, mais c'est... Non, non, non. Allez, au décuvage de l'amphore de Sylvie. Ce vin qui n'a pas perdu son âme dans ce grand pot de terre. Ça goûte bien, là. Ouais, carrément. Ça... Peut-être gourmandise. Ce qui est intéressant, quand même, quand on retrouve des tanins macérés avec les peaux, c'est que ça redonne du nerf au vin. Quand on presse directement un blanc, ce qui se fait pour avoir du blanc blanc, on oublie quand même un élément hyper important du raisin, qui est la peau. Et la peau, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup d'arômes. La dégustation se prolonge pour le groupe d'amis. Ils profitent ainsi des derniers rayons du soleil sur le fleuve. Sur la Loire, de toute façon, nulle part où on est mieux que ça. Quoi. C'est... En plus, à l'arrêt, sans moteur, rien, juste le bruit du courant qui glisse, l'eau qui glisse sur le bateau. Pas facile de rêver mieux. Nous retrouverons Sylvie, Thierry et Nicolas pour un dîner de vignerons. Il aura lieu à quelques kilomètres de là, au sein de l'abbaye royale de Fontevraud. C'est l'une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen-Âge. Elle a été le refuge des filles de Louis XV, avant d'être cédée à l'État à la Révolution. Il y a 3 ans, Thibaut Ruggéry, le jeune chef étoilé du restaurant de Fontevraud, a aménagé un potager dans l'enceinte de l'abbaye. Il faudrait que tu me dises quelle variété tu veux, j'en ai un peu plus que l'année dernière. Ce matin, Thibaut s'intéresse aux courges. Avec Adèle, la maraîchère, ils ont commencé la culture de variétés anciennes et le résultat dépasse leurs espérances. Putain, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Peut-être sur un dessert ? Je vais voir. Thibaut travaille des produits locaux et de saison. C'est au potager qu'il cherche l'inspiration. Ah oui, j'ai la bleue de Hongrie, là, qui va être jolie aussi. Ouais. Ah, c'est fou, ça. Ils sont assez énormes, cette année. On dirait un galet. Non, c'est vrai. On a vraiment cet aspect caillou, là, c'est bluffant. Je me dis que l'éplucher et le traiter sans que le client puisse voir son aspect, ça serait dommage, hein, parce que c'est complètement atypique. Il faut qu'on le voit entier. Donc, à mon avis, on va l'ouvrir, on va le creuser, et on va le regarnir avec... sa pulpe travaillée, je ne sais pas sous quelle forme encore, effectivement, sucrée ou salée, mais mis en scène simplement, à la fois tu vas apprendre quelque chose et tu vas te régaler. Quoi. Ces potirons seront servis au restaurant dès ce soir. Aujourd'hui, l'enjeu est particulier. Le chef doit élaborer un menu spécial pour son dîner de vignerons. Elles sont belles, hein, punaise. Plutôt pas mal. Ah, un goût. Bon. Nickel. Ah, ça sent trop bon, quoi. J'ai pas d'air. Ah, mais c'est top. Top, 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 tu me gardes bien les fans. Oui. Ce soir, en fait, on va réunir une bande d'épicuriens. On va essayer de se régaler ensemble, donc il y a un petit enjeu, parce que le menu, il est pas écrit encore.
C'est un challenge, mais en même temps, c'est l'excitation du métier de cuisinier. Pour moi, quand t'es cuisinier, c'est pas répéter incessamment les recettes que tu as apprises, c'est savoir t'adapter en permanence et savoir dire, bah, aujourd'hui, dans le potager, il y a ça, fais-nous à manger, quoi. C'est de la betterave sugar. Elle est comme ça. Donc c'est super beau. Et c'est bon en plus. C'est un luxe pas possible. Hein. Tu viens dans le potager, tu profites, c'est beau, c'est hyper beau, c'est super apaisant. Et puis t'as tout qui est sur pied, qui est vivant, qui est beau. Enfin, c'est fraîcheur optimale. Hein. Tu peux pas faire plus. Donc non, c'est un bonheur vraiment d'avoir son potager. Dans sa cuisine, Thibaut cherche la simplicité et le respect de son terroir. Mais il veut aussi que son menu soit cohérent avec l'histoire de l'abbaye. Le passé de ce lieu, bâti il y a 9 siècles, marque profondément le jeune chef. La première fois où je suis venu à Fontevraud, effectivement, je me revois franchir la grille et arriver sur ce site immense et avoir la chair de poule. Donc ça m'a parlé instantanément. Tu prends conscience de la minutie qui a été portée partout sur le site, c'est-à-dire où que tu regardes, en fait, tu as toujours un soin au détail qui est extrême. Ça te donne encore plus l'envie d'aller au bout des choses, de toi aussi d'apporter du soin dans les moindres détails pour sortir des assiettes qui soient humbles. Parce que tes prédécesseurs, bâtisseurs, sculpteurs, tailleurs de pierre, ont eu ce souci du détail. Pour trouver la note juste d'une cuisine épurée, Thibaut cherche l'inspiration dans l'église abbatiale. C'est un lieu qui est extrêmement impressionnant. Il y a des volumes magnifiques. À 20 mètres de haut, 4 coupoles coiffent une nef de 90 mètres de long. Au centre de la travée, Thibaut s'approche de 4 gisants. Ce sont les tombeaux de la famille Plantagenet. Le plus exceptionnel est celui d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France, puis d'Angleterre. Elle est représentée à côté de son mari, Henri II. Ce sont des pièces très rares, avec une symbolique forte aussi, dans le sens où Aliénor, qui a commandé ses gisants, s'est faite représenter avec un livre à la main, ce qui n'était pas du tout commun pour une femme au Moyen-Âge, où très peu d'entre elles savaient lire et écrire, et donc elle a chercher quelque part à affirmer sa culture. Et puis, par ce gisant surélevé, elle a aussi quelque part affirmé son autorité et sa supériorité face à son mari qui gît à côté et qui est un cran en dessous. Pour créer son repas, Thibaut est aussi guidé par les traces plus discrètes d'un autre moment du passé de Fontevraud. En 1814, l'abbaye est devenue une prison. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'à l'époque carcérale, dans cette abbatiale, au volume quand même très impressionnant, on avait 4 niveaux. Par exemple, le dernier niveau qui était affleurant aux coupoles avait nécessité qu'on les démolisse pour gagner de la hauteur sous la charpente. Et donc, ces 4 niveaux servaient entre autres d'atelier et de dortoir pour les détenus. Fontevraud était à l'époque connue pour être l'une des prisons les plus dures de France. Elle a accueilli jusqu'à 2000 détenus qui fabriquaient ici des boutons et du textile. Les derniers prisonniers ont quitté le site en 1985. Thibaut poursuit sa quête de produits pour son dîner de vigneron. Il part au marché de Saumur, à 15 km, pour y retrouver l'un de ses producteurs de champignons, un produit phare du Saumurois. Quand le baron Haussmann a décidé de revoir le plan de Paris, il a détruit toutes les caves. Et donc, en fait, le champignon de Paris a migré ici à Saumur. Donc, c'est un produit qui a vraiment un sens particulier sur le territoire. J'ai du mal à comprendre qu'on fasse voyager des produits frais de l'autre bout de la planète jusqu'à chez nous. On n'a qu'à se pencher et à faire un rapide coup d'œil pour comprendre qu'on a tout à portée de main. Enfin, c'est du bon sens. Thibaut arrive à Saumur.
Le château domine la Loire sur son piton rocheux. C'est au pied du monument, au cœur de la place Saint-Pierre, que se tient le marché le samedi matin. Le marché, c'est une photographie du terroir sur lequel tu te trouves, quoi. En gros, tu comprends les mœurs des locaux, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils cultivent. Donc forcément, la cuisine que tu réalises sur ce terroir-là, c'est pas la même que tu réaliserais dans le sud, dans les Alpes ou à l'étranger. Ça, c'est évident et c'est ce qui rend la cuisine excitante. Salut, Selim. Ça va? Oui, ça va et pas. Je viens de voir, je vais avoir... Punaise, elles sont belles, oh. Ouais, j'ai une belle récolte des pleurotes. Ah ouais, punaise, elles sont roses, sublimes. Bah, tu commences par manger avec les yeux, hein, c'est certain. T'as quelque chose de beau qui arrive devant toi, ça t'excite, ça te fait saliver, et puis après t'attaques. Donc déjà, il faut que ce soit séduisant et aguicheur. Et la couleur comme ça, du coup, tu sais pas si ce sont des coraux, si c'est un champignon, enfin, hein, ça interpelle. Moi, je vois ça, je me dis, il faut que je goûte. Après, soit on le mange cru, soit on le mange cuit. J'aurais jamais imaginé la manger crue, moi. C'est comme des pleurotes d'urne, en fait. Ah, c'est marrant. T'as un petit côté poivré, tu sens bien la cave. Ça m'intéresse vachement de la travailler crue, moi. Je vais t'en prendre quelques-unes. Ok, super. Thibaut vient de dénicher une des entrées à inscrire au menu de ce soir, grâce à l'un de ses producteurs attitrés. Selim, il cultive sous le château de Semur. Donc, dans cette histoire de valeur et de cohérence aussi, là, on est à peu près à 500 mètres de ces caves. C'est quelque chose qui me plaît, moi. Retour à l'abbaye de Fontevraud. En cuisine, la préparation du dîner de vigneron a commencé. Thibaut a lancé ses cuissons et a trouvé son menu. Dans le potager, aujourd'hui, on a deux saisons qui cohabitent. Et le fil conducteur de ce dîner, ça va être de glisser de l'été à l'automne. C'est-à-dire qu'on démarre... la tomate, les aubergines, la fraise, et puis on glisse doucement les betteraves, les radis, et on finit par des desserts dans des coins. Le chef travaille tout de suite ses légumes, sans les faire transiter par le frigo, pour que le froid n'altère pas leur saveur. Le potager est bio, les légumes seront donc servis avec leur peau, pleine de vitamines et de goût. Pour le plat de résistance, un pot-au-feu de pintade. Le bouillon commence à mijoter. Pour le bouillon, j'ai récupéré toutes les fanes que je fais cuire avec un petit peu d'épices pour donner un petit peu de longueur. Et comme ça, je vais encore travailler des arômes et des saveurs qu'on ne trouve pas forcément dans le légume en lui-même. Et c'est bon, ça a du goût. Le dîner a lieu dans la salle du petit réfectoire, où les moniales prenaient leur repas. Les convives arrivent dans 3 heures. Ils seront 16 à table. Un croustillant est déjà posé dans les assiettes. Thibaut a imaginé un rituel en souvenir des repas des moines et des prisonniers qui ont vécu ici. Vous arrivez à votre table, vous découvrez l'écuelle, donc qui rappelle... à la fois le passé carcéral comme monacal, à l'intérieur de laquelle il y a systématiquement une pièce qui rappelle le pain sec. Donc ici, on a un croustillant amande. Et puis le service arrive à ce moment-là avec un broc dans lequel il y a toujours une soupe ou un bouillon, un consommé. Donc là, on est sur une soupe tomate-fraise qui va être versée dans l'écuelle devant le client. Là, on est dans quelque chose de généreux, simple et qui est un petit peu un contre-pied de ce qu'on pourrait spontanément attendre d'un restaurant étoilé. Il est 20h, les vignerons sont à table, le repas commence.
Parmi les convives, nous retrouvons Sylvie, Nicolas et Thierry. C'est une belle table de Loire, quand même, assez représentative de bons acteurs de la Loire, de jeunes, de moins jeunes, de toute notre diversité. Et le lieu, ouais, c'est assez fantastique. On s'imprègne d'un endroit qui est gorgé d'histoire et ça inspire la quiétude et le calme et la douceur. Le dîner commence par une première entrée. Waouh, c'est magnifique. Elle est composée des légumes cueillis ce matin. C'est plein de couleurs. Ça sent le végétal, en tout cas. Et puis c'est beau. Je veux dire, regarde, on se croirait dans les jardins de l'abbaye. En cuisine, Thibaut dresse la deuxième entrée. Les pleurotes de Selim, la betterave shioga du potager et une terrine de lapin. Ça reste très terroir, mais avec un visuel chic. Parce qu'on dirait vraiment des pétales de rose. Une fois les pleurotes crues dégustées avec gourmandise, arrive le moment du pot-au-feu de pintade. Le bouillon est servi en salle, devant chaque convive. Pour humer. Hein, François ? Oh, c'est magnifique. Ah ouais, c'est fabuleux. Quel talent, c'est fabuleux. Des parfums, on est envahis de parfums. Ah non, mais c'est extraordinaire. Ça exhale d'une senteur extraordinaire, voilà. Et qui nous fait déjà rêver avant de goûter. Le dîner s'achève. C'est le moment pour Thibaut de faire son entrée avec son dessert. Merci, merci, merci. Comme prévu, le chef a mis en scène les courges du potager. Elles sont remplies avec un assortiment de douceur à base de pulpe de courge. J'ai l'impression qu'ils ont passé une bonne soirée. Donc ça me réjouit parce que c'est un peu dans cet objectif-là qu'on fait ce métier. Donc c'est une bonne chose. Là, on termine par le sucré, un sucré un peu original. Donc je pense que ça a fait son effet. Oui, je suis content. Enfin, ça en valait la peine. La dernière étape de notre voyage se poursuit à la découverte d'un autre vignoble. Nous sommes en Bourgogne, à quelques kilomètres au sud de Dijon. Dans cette voiture, deux défenseurs du patrimoine de la région. Ils travaillent pour protéger l'identité de ces paysages et en préserver le patrimoine. Olivier Cure est architecte, Laurence Ruvy est paysagiste. On rejoint la route des Grands Crus, là, qui est devant nous, et on traverse le village de Fissin. Cette route, qui circule à la découverte des crus bourguignons, est la première route des vins en France. On est en 1937, lorsque la route des Grands Crus est créée ici en Bourgogne. Ah oui, on l'appelle les Champs-Élysées de la Bourgogne. C'est l'axe qui draine le plus de touristes, parce que justement, elle permet de découvrir les cœurs de bourg qui sont très beaux, très bien entretenus. Laurence et Olivier vont parcourir cette route du nord au sud. Cette côte viticole, la Côte d'Or, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Elle comporte deux territoires, la Côte de Nuit et la Côte de Beaune. Le long de la route s'égrènent une quarantaine de villages aux noms prestigieux, réputés dans le monde. Olivier et Laurence arrivent à Gevrey-Chambertin. Ils sont en train de classer la Côte de Nuit en tant que site protégé. Désormais, tous les éléments du paysage et du patrimoine seront préservés. Gevrey-Chambertin, donc très très belle commune pour son patrimoine, notamment les anciennes enseignes, les panneaux routiers qui font aussi partie du patrimoine et que l'on va protéger maintenant et conserver. Les deux collègues arrivent sur un site dont les murets viennent d'être restaurés.
Il doit vérifier que le travail s'est fait dans l'esprit des lieux, en respectant la délimitation des parcelles de vignes qui existent ici depuis le Moyen Âge. En Bourgogne, on appelle ces parcelles des climats. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on est sur une limite entre plusieurs climats. Le climat en Bourgogne, ça n'a rien à voir avec la météo. Ce n'est pas du tout la pluie qui tombe, c'est au contraire ce qu'on a sous les pieds. C'est une alchimie entre le sous-sol, le sol cultivé et l'exposition par rapport au soleil. C'est presque synonyme de terroir. Donc c'est cette alchimie-là de ces trois composantes qui va être combinée aussi au savoir-faire du vigneron qui va produire un vin spécifique, typique, sur cette parcelle-ci qui fait partie d'un climat particulier qui va être complètement différent de ce climat-ci et qui va encore être différent du climat qui est devant nous. Donc chaque bouteille va révéler la spécificité du climat. 1247 climats ont été recensés sur l'ensemble de la côte. Ils sont parfois délimités par des murets. Celui-ci, complètement restauré, est édifié en pierre sèche. C'est emblématique, c'est vraiment un ouvrage rural très traditionnel, de bon sens. Juste les pierres, on utilise le relief et on en profite pour faire un abri en cas d'intempérie. On peut venir s'abriter dans la cabotte. Elle est belle, hein ? Elle est très sympa. On est à l'abri, sous une belle voûte de pierre. Il n'y a pas la moindre goutte de mortier. Non, c'est sympa, là, les pierres sont montées à sec, sans mortier. Un ouvrage tout simple. La matière vient du sol, on a pris les pierres sur place, et simplement assemblées, et ça nous permet d'être protégés. Elle est très bien conservée, elle a été bien restaurée. Ouais, c'est impeccable. Mm-hmm. Et là, on a l'ouverture sur le paysage. Ah, oui. C'est merveilleux. Laurence et Olivier ont inventorié chaque élément du patrimoine qui marque l'identité du territoire. C'est celle-ci là que j'aime bien, la porte là. Le Clos des Ormes. Là, on est vraiment sur l'archétype aussi de l'imagerie bourguignonne. Elle est assez originale cette porte parce qu'elle ne donne sur rien. C'est juste un souvenir du clos. D'abord, ça donne le nom. Tous les lieux ont des noms ici depuis des temps immémoriaux et c'est important que cette mémoire soit conservée et visible dans le paysage. Quelques kilomètres plus loin, Laurence et Olivier arrivent au Clos Vougeot. Avec ses 50 hectares, c'est le plus grand climat de Bourgogne. Au milieu des vignes, trône le château bâti au XIIe siècle par les moines cisterciens. Le mur du clos, de 2 km de long, date du Moyen Âge. Il est percé de 39 entrées qui indiquent les accès des différents propriétaires. Certaines portes nécessitent des restaurations. Le site est protégé. Laurence et Olivier se déplacent sur le terrain pour concilier préservation du patrimoine et impératif viticole. Le fait d'avoir comme ça les pieds dans la glaise et les mains dans les murs, dans la pierre, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. On ne peut pas faire du paysage dans son bureau. Il faut ressentir les choses, il faut les palper du regard, des mains et du pied et se rendre compte de la manière dont ils ont été façonnés. 80 propriétaires se partagent les vignes du Clos Vougeot. Cette cohabitation nécessite un peu d'organisation. Erwan Févelet possède ici quelques rangs de vignes. Non. Eh ben le voilà. Et c'est cet insigne, donc à partir de ce pied-là, vous comptez 15 rangs. Et puis au 15e rang, il y aura la même plaque là-bas. Et puis si vous allez jusqu'au bord de la route, où se trouve notre entrée avec les deux petites maisons, elles seront également tout à fait délimitées. On a la chance de posséder 1,28 hectare. Vous voyez, on est très précis en Bourgogne. Et on a mis ces repères-là pour être sûr de ne pas vendanger les vignes du voisin. Ça arrive, ça ? C'est rare, mais quand ça arrive, c'est des pourparlers, des négociations qui peuvent être compliquées.
Lorsqu'on est ici, d'un coup d'œil, vous arrivez à voir les vignes les plus extraordinaires presque du monde. Un peu plus haut, vous avez les Musigny. Là-bas, on devine le début de Gevrey-Chambertin. Ici, vous avez une combe qui est magnifique. C'est là où vous allez trouver les grands échezeaux. Et puis là, si on part un tout petit peu plus à gauche, là, on arrive dans les grands crus de Vosne-Romanée, comme la Romanée-Conti. Ce sont des noms qui font rêver. Erwan nous emmène découvrir une autre de ses parcelles. À Gevrey-Chambertin, il entreprend des travaux d'envergure. Avec Christian Laporte, son architecte, il restaure cette maison du début du XXe siècle. C'est une sorte de petite villégiature de week-end dans les vignes. On pourrait presque parler d'une petite folie dans les vignes. Ce n'est pas usuel d'avoir une maison comme ça, on va dire quasiment habitable au milieu des vignes, où les propriétaires devaient venir passer du bon temps, prendre le soleil sur la terrasse, contempler leur vignoble. C'est une maison de fréquentation épisodique. Voilà. Plus que propriétaire de vignes, on se sent dépositaire d'un patrimoine. Et cette maison, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose parce que sinon, elle serait tombée complètement en ruine. Et donc, on a décidé de la refaire et lui redonner vraiment le cachet qu'elle avait d'origine. On a vraiment envie d'en faire une signature bourguignonne. Hop là, vous suivez, Christian ? Oui. Le point d'orgue de la maison, c'est sa toiture de tuiles vernissées. Après des semaines de travail, elle est presque terminée. Avoir l'occasion de monter sur cette plateforme pour voir le résultat fini, non, c'est la première fois. Et je suis très content. Moi, ce que je trouve de très réussi, c'est qu'on a 75% de tuiles anciennes et on n'a que 25% de tuiles neuves. Ben, c'est bien difficile de trouver des tuiles neuves, là, quand même. Hein. Ouais. On n'arrive pas à reproduire, nous, avec nos moyens modernes, la patine du temps. Alors, quand on restaure un monument ancien, il faut éviter ce qu'on appelle le feu du neuf. Et pour éviter le feu du neuf, il faut travailler avec de la matière ancienne. Finalement, dans la totalité, c'est une toiture qui vibre parce qu'il y a plus de choses anciennes que de choses neuves. Les couvreurs posent aujourd'hui les dernières tuiles sur le côté arrière de la maison. Ici, les tuiles sont monochromes. La toiture ostentatoire est orientée vers le village. Ces tuiles, c'est un peu l'emblème aujourd'hui de la Bourgogne. Il faut savoir que le duché de Bourgogne était rattaché à la Flandre. Et c'est typiquement une importation d'un élément de décor qui vient de la Belgique, des Flandres. C'est l'origine de toutes nos tuiles vernissées maintenant en Bourgogne, que ces toitures polychromes, avec ces motifs losangés qu'on retrouve sur toutes les toitures. Quelques semaines plus tard, la folie a retrouvé son lustre d'antan. Habillée de ces tuiles vernissées, elle se dresse au milieu de son clos. Ces toits, aux motifs spectaculaires, sont justement la passion d'Olivier, l'architecte des bâtiments de France. Nous le retrouvons sur l'aérodrome de Nuits-Saint-Georges. Son ami Mathieu est venu le chercher à bord de son Broussard, un avion de collection. Celui-là est de 1958. C'était un avion d'observation qui a servi dans l'armée jusque dans les années 80. Les deux amis partent ce soir pour un vol au-dessus des toitures vernissées de la Côte d'Or. Après un dernier contrôle, tout est prêt pour le départ. C'est un avion qui pouvait faire du largage de parachutiste, donc on peut voler la porte arrière ouverte. Donc Olivier aura le bonheur d'être assis à côté de la porte, okay, sans trop se pencher à l'extérieur. Oui, on va essayer. C'est la première fois, Olivier, du coup, porte ouverte. À porte ouverte, ça va être une première, oui. Alors là, une belle expérience. Qu'on surplombe, ça y est, le ruban de vigne en continu. C'est vraiment magique, cette mosaïque de vigne. C'est beau quand même. On a la chance d'avoir un terroir unique au monde.
par le sous-sol et qu'ensuite c'est le travail de l'homme qui en a fait ce chef-d'œuvre de paysage et qui en plus produit les plus grands vins qu'on puisse imaginer. On a tout ici dans un paysage comme celui-ci. Les couleurs de la vigne à l'automne se révèlent. Elles ont donné son nom à la Côte d'Or. Les deux amis approchent du premier château qu'ils veulent survoler dans le village d'Alos-Corton. On aperçoit le château de Corton-André avec une toiture jaune très très représentative de la Bourgogne puisqu'elle figure sur les étiquettes de vin. Et là, on a un motif 19e très très visible de très loin. Ça domine vraiment le vignoble. C'est un domaine qui veut affirmer sa présence sur son terroir et qui fait du toit l'emblème même de sa production. Ça va, c'est pas trop désagréable d'être assis dos à la marche ? Non, non, pas du tout, je regarde le paysage. Tu le vois défiler plus longtemps, en fait, finalement. Exactement. L'avion se dirige maintenant vers Beaune, la capitale des vins de Bourgogne. La ville s'est développée dès l'Antiquité. Ah, d'ici, c'est magnifique la perspective. On voit la ville de Beaune. Alors, le centre-ville est très caractéristique. On peut très bien le lire par la ceinture d'arbres qui en fait le tour et qui occupe l'emplacement des remparts. On commence à apercevoir les célèbres toits des hospices avec la grande salle des pauvres en ardoise et au premier plan, comme un tapis persan, ces motifs de tuiles vernissées sur des bases losangées toujours, mais entrelacées. C'est vraiment comme de la tapisserie. Grande richesse décorative. C'est toujours un bonheur intense de survoler les hospices de Beaune, sans doute une des plus belles toitures du monde qui se déploie sous nos yeux. À quelques kilomètres au sud, l'avion va survoler une autre toiture mythique. On aperçoit la silhouette de Meursault. Très belle appellation pour les vins blancs. Les amateurs comprendront. On peut apercevoir l'église avec une flèche absolument incroyable de 53 mètres de haut. Et puis la célèbre mairie qui, il y a 50 ans, était la commandante tour de la Grande Vadrouille. Une scène que personne n'a oubliée. Et parfois, les habitants reconstituent les scènes du film. Quelque chose, un monument à la fois du cinéma et de l'architecture qui est toujours vivant dans la mémoire collective. On commence à voir émerger les toits de la Roche-Pau là derrière. Super. J'aime beaucoup la Roche-Pau. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, c'est une silhouette romantique. C'est un peu le pierrefonds bourguignon. Un château fort reconstruit au 19e siècle par un architecte, Charles Suisse, qui est un disciple de Viollet-le-Duc. Vous voyez cette forteresse imprenable et en même temps attachante sur son nid d'aigle. Et là aussi, les toitures vernissées absolument sublimes avec des entrelacs très soignés pour faire le maximum d'effet, jouer avec le soleil. C'est une vision assez paradisiaque. C'est vraiment un motif décoratif, ornemental et toujours spécifique. On ne retrouvera jamais deux fois le même motif sur les châteaux ou sur les églises. L'avion repart vers Nuits-Saint-Georges. Il survole un dernier château, celui de Santenay, l'un des plus vastes domaines viticoles de Bourgogne, propriété au XIVe siècle de Philippe le Hardy. Avant l'atterrissage, Olivier veut montrer à Mathieu un monument tout juste sorti de terre. Regarde la nouvelle cuverie de Nuits-Saint-Georges, là chez Boisset. Un énorme bâtiment en dôme avec un motif de tuiles vernissées. Ici, pas de dessin de tuiles, mais une toiture végétalisée qui s'en inspire pour un bâtiment résolument moderne. Cette cuverie n'est pas terminée.
Olivier en a suivi la conception. C'est lui qui a délivré le permis de construire. Le lendemain, il la visite pour la première fois avec sa collègue Laurence. Oh, ah oui, c'est très large. Ils sont guidés par Frédéric Didier, l'architecte qui a conçu la cuverie. Cette pièce immense sera bientôt aménagée pour la vinification. La mise en scène architecturale est totale, jusqu'à la conception de ce vitrail, réalisé par un artisan d'art. Moi, j'ai l'impression d'être dans un théâtre ici, parce qu'on a le grand balcon, on a la loge, et c'est fabuleux, quoi. Enfin, la structure est tout à fait ample, et il y a une scénographie qui, je pense, va rendre vraiment service au vin qui est produit ici. L'architecte emmène Olivier et Laurence sur le toit de la cuverie. Voilà. Au cœur du jardin suspendu. Planté de vignes et de rosiers, ce toit pourra servir d'espace de promenade. On a créé ici un repli de terrain qui dissimule notre cuverie, parce que c'est un énorme bâtiment, et si on lui avait donné des murs, on aurait créé une muraille qui aurait complètement coupé la ville de son paysage. Et puis on est au service des vignes, c'est-à-dire qu'on se coule, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bordure. On a l'impression que finalement, on pourrait presque toucher la vigne qui est ici. C'est un dossier qu'on a vu en permis de construire, avec une vraie interrogation sur l'intégration de cette nouvelle colline dans le paysage de la butte au-dessus de Nuits-Saint-Georges. L'UNESCO permet d'avoir à la fois une protection du bâti traditionnel et des techniques paysagères classiques, mais aussi d'intégrer de nouvelles architectures dans ce paysage et qui finalement créeront le patrimoine de demain. Les deux collègues repartent pour un dernier rendez-vous dans un prestigieux château bourguignon. Ils quittent la côte de Nuits pour la côte de Beaune, avec son paysage plus vallonné. On a la butte de Corton qui est sur notre droite, qui fait une espèce d'îlot de proue de navire. Elle est coiffée par un bois de feuillus, qui est absolument important de préserver, puisque si on déboise ce secteur, ça va modifier durablement les écoulements d'eau et le climat. Quelques kilomètres plus loin, ils arrivent dans le village de Pomard. À l'entrée du bourg, le château somptueux a été bâti au XVIIIe siècle. On y produisait du vin pour la cour de Louis XVI. Laurence et Olivier y sont accueillis par un Américain. Hello, Michael. Bienvenue à Château de Pomard. Hello, Michael. How are you? Bonjour. Michael Baum est californien. Passionné de vin, il a acheté ce domaine il y a 3 ans. Why are we here as Americans in Burgundy? Because Burgundy is the most special wine region in all of the world. And you really just fall in love with this immediately. Your mind relaxes, your eyes relax, and you just become one with the whole landscape. It's amazing. Michael restaure le château pour lui redonner son faste du XVIIIe siècle. Le précédent propriétaire avait fait des choix parfois peu pertinents, comme cette véranda. C'est vrai que là, c'est une très grosse faute de goût qui va être très heureusement démolie par Michael Baum et son équipe pour retrouver tout le lustre de cette façade très classique qui aujourd'hui n'est plus là. In the US, we think that 50, 75 years is a lot of history. My house in California was built 85 years ago. But it's known in the town as the oldest house in the town, and it's very special. So when you find something like this that is 200, 300 years old, if you're passionate about history, about architecture, you really want to come back to the original condition. La journée s'achève. Olivier et Laurence vont partager un moment privilégié dans un endroit qu'ils aiment particulièrement, la montagne des Trois-Croix.
Elle domine le sud de la côte de Beaune. Ah oui, quelle vue! Ouais. Toujours une belle surprise. Ici, je viens souvent, je trouve que c'est très reposant. On a une vue absolument extraordinaire à 360 degrés sur le vignoble prestigieux de Santenay, avec le village qui est blotti dans le fond, tout ramassé, très très dense. Ah, quel bruit agréable en fin de journée. Je suis d'accord. Un petit verre, c'est quand même tout le plaisir de la Bourgogne. On a choisi pour finir cette journée un haut de côte de Beaune, donc un peu plus au nord, mais sur les parcelles assez hautes, donc très minérales. Eh bien, Laurence, à nous et au climat. Tous ces paysages qu'on a traversés s'expriment dans ce simple verre qui est d'une richesse incroyable parce que ça raconte toute l'histoire de la vigne, du travail, des villages et du paysage en général qui est là traduit dans un verre de vin.